Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de décembre. Comme d'habitude, on commence avec le Soleil en Sagittaire qui est dans votre secteur 12, donc dans l'ombre de votre signe, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'ombre. Ça veut dire simplement que vous avez besoin qu'on ne vous dérange pas, vous avez besoin de vous concentrer dans la mesure où le Sagittaire est un signe double qui a de gros problèmes de concentration. Donc forcément, ça va vous influencer un petit peu et vous vous sentirez souvent dérangé par les autres alors que vous auriez vraiment besoin d'un petit peu de solitude, d'être dans votre précaré de manière à pouvoir faire votre travail, parce que c'est une période probablement où il y a beaucoup de travail pour vous et vous êtes quelqu'un de très travailleur. Après le 21, bon anniversaire au premier décan. Il n'y a pas d'aspect sur votre soleil, donc vous pourrez être vous-même, totalement vous-même, sans vous poser de questions. Et bon, si vous êtes de nature exigeante, comme beaucoup de Capricornes, eh bien vous pourrez l'être, parce que peut-être que vous aurez affaire à des personnes qui seront un petit peu négligentes, donc il faudra les remettre dans le droit chemin, sans pour autant leur faire la morale. Ne soyez pas tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, vous donnez des conseils, c'est tout. Du côté des activités, nous avons un Mars en Lion, depuis le mois dernier. Alors, le mois dernier, elle était en marche directe. Et donc, dans votre secteur 8. Alors, peut-être que vous avez dû être plus productif, ramener plus d'argent à votre boîte ou à la société pour laquelle vous travaillez, ou en tant qu'indépendant. En tout cas, Mars, c'est vraiment la volonté, la détermination, et ces énergies sont s'appliquent dans ce secteur 8, qui est un secteur financier, mais qui est aussi un secteur de crise, de transformation. Donc peut-être qu'il y a eu une petite crise sur le plan monétaire, de manière générale, peut-être des questions de budget. Bon, toujours est-il que là, au mois de décembre, Mars va rétrograder. Donc, ça va être en sous-texte, ça va être à l'arrière-plan, cette affaire. Mais le problème ne sera pas réglé. Il ne faut pas croire que ce sera réglé. Vous pourriez le croire à un moment du mois, mais non. Ça reviendra l'année prochaine et ça va mettre un certain temps à se régler. Parce que c'est quelque chose de compliqué. Dans le secteur 8, on n'est jamais sûr, on ne peut pas être totalement en confiance une fois qu'une chose est faite, qu'elle est signée, enfin qu'elle est acceptée. Ne soyez pas trop sûr que les choses sont actées. Côté cœur. Eh bien, Vénus va traverser à partir du 7 votre voisin du Verseau. C'est votre secteur 2. Il correspond à vos besoins à la fois corporels et psychologiques, psycho-affectifs. Donc, Vénus sera conjointe à Pluton en entrant en Verseau le 7, autour du 7. Et disons que vous prenez de plus en plus conscience de vos besoins. Jusqu'à présent, quel que soit votre âge, vous les avez peut-être un petit peu négligés. Vous avez négligé tout ce qui était, peut-être que vous êtes mal nourri, peut-être que vous avez négligé vos besoins de sommeil, vos besoins affectifs. Pluton va corriger tout ça, très lentement.
Là, on est vraiment sur très peu de monde, hein, du premier décan du Capricorne. Mais bon, petit à petit, hein, ça va grignoter et le premier décan dans son entier, sur 2-3 ans, hein, va avoir à changer son modèle, sa façon de s'occuper de soi, même si ça vous paraît égoïste, mais il faudra vous occuper davantage, prendre soin de vous davantage et de vos besoins alimentaires, comme je vous l'ai dit, et de vos besoins affectifs. Et si vous avez personne, si vous pensez que vous ne rencontrerez plus quelqu'un, bon, d'abord, vous vous trompez peut-être, mais bon, pourquoi pas un animal de compagnie qui vous donne un amour inconditionnel. Le 7, le 12, le 22 et le 27, ce sont les jours top, hein, de ce mois de décembre, au cours duquel, bon, il faudra donc faire en sorte de ne pas être distrait, hein, par le monde extérieur, et ensuite, bah, pour bien profiter, faire la fête pour votre anniversaire et pour les fêtes aussi. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la Fnac, etc. Et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous!